Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, notre séquence porte sur définition des matrices. À la fin de cette séquence, vous devez être capable de définir une matrice, matrice nulle et opposée d'une matrice. Définition d'une matrice et somme. On appelle matrice à N ligne et P colonne, à coefficient dans K. K désigne pour nous soit l'ensemble R, soit l'ensemble C. N et P étant des entiers naturels non nuls. Un tableau rectangulaire à N ligne et P colonne contenant N, P éléments de K. On note un tel objet M égale A, M, I, J. Avec 1 inférieur ou égal à I, inférieur ou égal à N. Et 1 inférieur ou égal à J, inférieur ou égal à P. Ou, de façon complète, nous avons la matrice est égale à M1, 1, M1, 2, jusqu'à M1, P. M2, 1, M2, 2, M2, P. Nous avons ici M, N, 1, M, N, 2, M, N, P. De manière générale, M, I, J est le terme de la matrice M qui se trouve à l'intérieur de la IM ligne et de JM colonne. L'ensemble des matrices à N ligne et P colonne à coefficient dans K est noté M N P dans l'ensemble. Exemple. Exemple. Exemple 1. Nous avons vu que l'application linéaire F appartenant à l'ensemble des applications linéaires R au carré vers l'ensemble R au cube défini par F 2 x y z est égal à 4x moins 3 y plus z. On a moins 2 x plus y moins 5 Z. A pour matrice représentative, la matrice M qui est égale à 4 moins 2 moins 3, 1, 1 moins 5. Cette matrice est une matrice à deux
ligne et trois colonnes. Donc, la matrice M de F appartient à M de 3 dans l'ensemble R. Petit 2, ça veut dire exemple 2, soit les matrices A égale A. Nous avons ici 3 moins 1, 2. 2 moins 1, 3. Moins 1, 2, 1. Et B égale à 1, 0, moins 1, 2. A et B sont des matrices carrées car elles comportent les mêmes nombres de lignes et de colonnes. On dira A appartient à la matrice 3 de l'ensemble R. Et B appartient aussi à la matrice M2 de l'ensemble R. Matrice nulle. La matrice nulle. On appelle la matrice nulle que l'on note 0, N, P, parfois, toute matrice a N ligne et P colonne dont tous les coefficients sont nuls. Exemple, les matrices, en exemple, les matrices où sont des matrices nulles, opposées d'une matrice. L'opposé d'une matrice A pour l'opération somme est noté moyen A s'il s'agit de la matrice obtenue en prenant les opposés de tous les termes de la matrice. Exemple, si M est la matrice moins 1, 2, 3, 2, 1, 1, 0, moins 3, 2, 1, 1, moins 1, est une matrice à 3 lignes et 4 colonnes. Sa matrice opposée est moins M est égal à 1, 1, moins 2, moins 3, moins 2, moins 1, moins 1. Nous avons ici 0, 3, moins 2. On a moins 1, moins 1, 1. Il va de soi que la somme de deux matrices opposées donne la matrice nul. Merci, chers élèves, de m'avoir prêté attention. Au revoir et à la prochaine séquence.